savez, c'est un très vieux peuple, celui des Arméniens, qui arrive dans la partie d'Anatolie orientale, la partie orientale de l'Asie mineure et au sud du Caucase, dans le 6e siècle avant notre ère. Le fait qu'il est le premier peuple de l'histoire à se convertir au christianisme en 301, donc avant la création de l'Empire romain d'Orient. En 1988, à l'époque du tremblement de terre, du 7 décembre 88, j'y suis parti comme coordinateur, logisticien et interprète. Et là, j'y ai travaillé sur 2 années. Pour la première fois, j'ai eu un rapport charnel et sensuel avec mes origines. Le génocide arménien est un traumatisme en soi, parce que bon, moi, en plus, j'appartiens à la 3e génération, celle qui a connu les grands-parents rescapés. J'ai utilisé le médium photographique pour exprimer une histoire intérieure. Et de plus, la négation, elle actualise la culpabilité qu'on peut ressentir face à un héritage aussi dense. Les images en couleur des yézidis fuyant, survivants, fuyant les persécutions de l'État islamique, sont exactement les mêmes que celles en noir et blanc qui ont pu être celles des Arméniens en 1915. Donc sur les lieux mêmes, avec une autre population, une autre idéologie, on voit se reproduire la même horreur. On est dans un événement actuel, le génocide arménien, il s'est produit certes il y a 100 ans, il est actuel du fait de cette négation. L'Arménie a une vie culturelle très intense. D'abord, elle a sa langue qui a été créée au 5e siècle, est tout à fait différente des autres langues, elle est très originale. Les moines arméniens ont préservé d'ailleurs un certain nombre des éléments du patrimoine grec et latin qui a disparu souvent. Il y a véritablement, dans tous les domaines de la culture, une spécificité culturelle arménienne très richement représentée. Ce qu'elle peut réellement mettre en avant, c'est sa matière grise. Et il y a un potentiel dans ce pays à ce niveau-là. Je suis délibérément optimiste parce que bon, il le faut pour avancer, quoi. Il le faut impérativement.